Alors bonjour, moi je suis Isabelle Miller et donc je suis chargée de transition numérique à DevUp, voilà, pour accompagner les entreprises sur des projets, alors transition numérique au sens large. Pour moi, l'objectif de cette journée, qui est un peu une première, ça me permet en fait de rencontrer le réseau, de rencontrer tous les acteurs aujourd'hui qui sont présents et qui interviennent dans le circuit de développement économique des entreprises. Et c'est très intéressant de pouvoir partager en fait le positionnement, les interventions de chacun et d'identifier les collaborations surtout que l'on va pouvoir mettre en place entre tous les acteurs. Donc nous notamment au niveau de l'EDIH, quand on identifie au travers des diagnostics de maturité numérique que l'on pourra mettre en œuvre, des besoins qui peuvent être pas forcément de notre compétence, mais des compétences d'autres acteurs du réseau, ça nous permet aussi de pouvoir aujourd'hui mettre en place tout ce réseau et de faire connaissance avec tous les partenaires futurs. Couture, je suis responsable de l'antenne Centre Val de Loire du pôle de compétitivité CARA. Et CARA, en fait, s'est implantée le 1er novembre 2023 en Centre Val de Loire pour animer et soutenir la filière automobile et véhicules industriels. Alors pour moi, l'intérêt de cette journée, c'est en fait de rencontrer tout le réseau avec ma nouvelle casquette, puisque je suis arrivée en Centre Val de Loire en 2020 dans une autre fonction. Aujourd'hui, depuis le 1er novembre, nouvelle fonction, discuter avec ce réseau-là pour promouvoir à la fois le réseau, mais aussi un peu trouver des interactions communes sur nos activités. Bonjour, je suis Elisabeth, je suis directrice du Crésit Industrie, qui est un centre de ressources technologiques spécialisé en électronique basé à Orléans. La journée d'aujourd'hui organisée par DevUp, c'est vraiment l'occasion de présenter notre structure, nos compétences à tout le réseau des développeurs de la région centre pour que quand ils ont une entreprise, un projet qui concerne l'électronique, ils puissent nous orienter les entreprises pour qu'on puisse les aider de façon concrète à la réalisation de leur projet. DevUp, je l'ai rencontré dès que j'ai intégré le Crésit Industrie en 2014, donc ça fait déjà un certain temps. Et c'est vrai que ça fait partie de notre rôle aussi de faire partie de ce réseau-là pour connaître un peu tous les financements possibles de la région, pour réorienter les entreprises que nous on rencontre vers des gens qui peuvent les aider sur le montage de projets, sur différentes thématiques.